Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine capillaire. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme produit? Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Je vous montre tout ça. Alors, tout d'abord, on va commencer d'abord par le shampoing. Alors, j'adore ce shampoing-là. C'est de chez Redken. C'est un shampoing vraiment qui va réparer les cheveux et les renforcer. Donc, c'est ce shampoing-là de chez Redken. J'utilise fréquemment ce shampoing-là. Alors ensuite, j'applique une fois que j'ai fini mon shampoing, c'est ce masque-là de chez Indola. C'est le Keratin Restore, c'est ça. Ouais, c'est un traitement à la kératine qui est franchement très très bien pour lisser les cheveux. Ensuite, une fois que j'ai bien lavé mes cheveux, bien essoré, c'est vrai que de temps en temps, je fais ça une fois par semaine. C'est le ciment anti-usure. Vous voyez, ça c'est de chez Kérastase. Donc, ce produit-là, on l'utilise sur la longueur des cheveux avant de rincer. Il faut bien laisser, genre peut-être 5 minutes en même temps que ce soin-là. Voilà. Celui-là, c'est une fois par semaine. Celui-là, c'est plus souvent. Voilà. Une fois que j'ai bien tout rincé mes cheveux, je vais appliquer ce produit-là de chez GHD qui est juste génial. Donc c'est un spray pour cheveux, pour préparer les cheveux, pour qu'ils soient bien lisses. Franchement, c'est un produit génial. Donc ça protège les cheveux pour déjà quand vous faites votre brushing, parce que toutes les plaques chauffantes, comme par exemple les lisseurs ou le sèche-cheveux, eh ben, faut franchement quand même quelque chose qui protège bien les cheveux. Ensuite, vous allez appliquer, moi j'ai ça, hein, c'est de chez Steampod, voilà. Ça, c'est une huile, donc c'est un sérum concentré, vraiment à appliquer sur les pointes, hein, d'accord? Pas sur la racine, surtout pas, parce que sinon ça va graisser les cheveux et c'est pas possible. C'est ce produit-là. Alors, celui-ci, c'est le Nectar Thermique Glaçage Thermo. C'est un lait nutritif qui va aider pour le brushing, donc c'est un produit qui s'applique sur les cheveux déjà essorés. Pour préparer le brushing. Donc c'est pour les cheveux secs surtout principalement. Mais franchement ça marche très très bien. Hein. C'est un produit très fort, donc faut pas en mettre beaucoup. Hein. Et avec un long tube comme ça, vu que c'est moi qui consomme juste ici, vous y allez longtemps. Hein. C'est vrai que c'est un produit qui coûte cher, c'est dans les 26 euros et quelque chose, mais ça dure vraiment dans le temps. Hein. Franchement, je valide. Donc là, je vais passer au brushing.